Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man. Il déboule au bout de son fil une fois par jour, bim bam boum derrière son masque, et il rend compte à personne. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds, je t'aime. Non mais t'es sérieux? Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. L'accélérateur de particules, tu connais? Tu vas adorer. Dimension en cours d'ouverture. Tu es comme moi? Comment c'est possible? Ok, petit gars, écoute bien. Cette frite, c'est ton univers. Toute molle, tordue et dégueu. Et cette frite, croquante et délicieuse, c'est mon univers. Alors tu veux devenir Spider-Man? Vous pouvez m'apprendre? Je peux faire ça. Place à la voltige. Wow! Bien, tu te débrouilles. Wow! Double clip pour libérer et flip. Tu relances. Ça marche. Balance. Et je libère. T'as un don. Balance. Salut les garçons. T'es qui toi? Moi c'est Gwen Stacy. Je viens d'une autre dimension. Mais il y en a combien des Spider-Héros? Salut les amis. Salut. Je crois que là, on peut pas faire plus bizarre. Oh que si, on peut faire plus bizarre. Eh ben ça promet. On doit retourner dans nos univers, et vite. Brooklyn va s'effondrer. Ma famille vit à Brooklyn. Wow. Miles, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a jamais été ta ville. C'est la mienne. Si je détruis pas l'accélérateur de particules, on pourra pas rentrer chez nous. On aura plus de chez nous. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence. C'est parti. Que tu es Spider-Man. Monsieur l'agent, je t'aime. Hein? Quoi? De ce côté, de ce côté. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Les animaux parlent dans cette dimension? Je voudrais pas qu'il ait la trouille.